Saint soit toujours avec vous. Nous sommes rendus au sixième dimanche du temps de Pâques. Et dimanche passé, nous méditions déjà cette dimension de la communion, de l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, l'Église, dans les textes qu'elle nous propose, nous donne de faire un pas. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père. Et par la suite, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. En somme, il faut rappeler que nous sommes au chapitre 15e, avant la Passion, et nous entrons dans l'intimité de Jésus avec ses apôtres juste avant sa mort. Où, même en sentant sa mort venir, Jésus révèle la profondeur de son être et donne à ses disciples, à ses apôtres, cette grandeur immense. Ils ne sont plus serviteurs, ils sont amis, parce qu'ils sont entrés dans les secrets de Dieu. Quel est ce secret? Le secret, c'est effectivement l'amour. Qu'on peut comprendre, d'abord, comme un commandement, on peut se demander comment l'amour devient un commandement. En fait, parce qu'il ne s'agit que d'un choix avec Jésus. C'est le fondement de cette religion qu'ils font sur le don de lui-même. Et donnant l'exemple, il appelle ses disciples à marcher sur ses mêmes traces. Il est important de se le rappeler. Je vous laisse le commandement. On n'est pas chrétien sans vivre de cette vie divine qui surgit du cœur de Dieu. Mais, deuxième chose importante à noter, c'est que l'amour qui vient de Dieu, l'amour chrétien, c'est l'amour qui vient de Dieu. On appelle l'amour une vertu théologale. C'est-à-dire, elle vient de l'infini et nous ramène à l'infini. L'amour vient de Dieu et nous ramène à Dieu. La vertu théologale vient donc de Dieu et nous ramène à Dieu. Ne demeure pas en nous. Ce sont des vertus relationnelles. Comme la foi, c'est une vertu relationnelle entre deux personnes. Donc, je reçois de Dieu, et il est important de le dire. Aimons-nous les uns les autres, dit Saint Jean dans sa première lettre, puisque l'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. En effet, l'amour est un don de Dieu. Nous apprenons à aimer comme Jésus. Nous apprenons à aimer parce que c'est l'amour de Jésus qui est la mesure de notre amour. Nous n'aimons pas comme nous voulons. Nous aimons comme Jésus nous enseigne. Et quelle est cette manière? Jésus l'a dit très clairement. La mesure, c'est accepter de se donner. Nous avons des cas merveilleux dans les mamans qui donnent leur vie. Et beaucoup de saints qui ont donné leur vie pour que d'autres personnes vivent. Jésus a donné sa vie pour que nous vivions. Et Jésus nous enseigne donc. Il faut apprendre à aimer de lui. Nous recevons notre amour de Dieu. C'est donc dans la contemplation de Dieu qu'on apprend à recevoir l'amour de Dieu et à pouvoir tourner cet amour vers l'autre. Je ne saurais aimer l'autre si je ne me laisse pas aimer par Dieu. Et c'est important. Le premier pas pour les chrétiens, ce n'est pas d'aimer le prochain, mais c'est de se laisser aimer par Dieu, d'apprendre à aimer comme Dieu nous aime. L'amour engendre le Fils de Dieu. N'est Fils de Dieu en réalité que celui qui se donne. C'est donc scandaleux de voir dans notre Église, dans notre société, des chrétiens qui vivent en écrasant les autres. Des chrétiens qui vivent et ne sont pas prêts à se sacrifier pour l'autre. Un mariage n'est chrétien que si l'époux aime son épouse, comme le dit
Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, comme le Christ a aimé l'Église. Et quand l'époux veut que son épouse soit belle, resplendissante et sans tache, cherchant à la rendre heureuse, alors là, il est comme le Christ est. Mais il en est le même aussi de l'épouse. Donc, dans la dimension chrétienne, je cherche ce qui permet à l'autre de s'épanouir, d'être heureux. C'est ça la dimension de l'amour. Mais nous savons aussi que nous aimons par vocation. Jésus nous a choisis parce qu'il nous aime. Il nous a aimés le premier. Il nous a regardés, il a posé sur nous son regard. Il nous a comblés de sa miséricorde. Il nous a aimés, il nous envoie en nous disant à vous d'être des témoins qui a la possibilité d'avoir un autre type de relation. Évidemment, il faudra toujours se le dire, il y a une dimension du sacrifice dans l'amour qui est inhérente. En se donner la vie signifie j'accepte de mourir en moi-même. C'est en acceptant que le grain de blé que je suis tombe en terre que je peux porter du fruit qui demeure. Je prie spécialement aujourd'hui, afin que dans notre pays, nous puissions, nous les pasteurs de l'Église, nous les chefs de famille, nous les dirigeants, que nous soyons mus par le désir de donner la vie de ceux qui sont en face de nous, que nous reconnaissions qu'ils viennent de Dieu et qu'ils ont besoin de nous pour vivre. L'autre a besoin de moi pour vivre. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est l'autre. Qu'en ce saint jour, le Père plein d'amour vous bénisse. Que Jésus qui est mort par amour pour nous vous bénisse et que l'Esprit d'amour vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.